Salut les petits loups! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai qui est vidéoprojecteur. Alors, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien, bien sûr. Ça permet d'avoir une image en gros, mais avec une qualité moindre. Donc, si même vous achetiez une télévision bas de gamme, vous auriez toujours une meilleure image et une meilleure qualité d'image qu'un vidéoprojecteur, même laser, et qui coûte 5 000 ou 10 000 euros même, hein. Donc, ici, ce que je vais faire, comme ça ne sert strictement à rien, je ne vais pas acheter la télé bas de gamme. Ouais. Parce que je suis con. Et oui, c'est ça justement, être con, important d'être con. Et ce produit-là permettra de m'élever à l'échelle sociale, à de très haut niveau. Mais être con, c'est pas donné à tout le monde. Je vous donne un exemple. Pour l'instant, ce qui se passe avec les agriculteurs un peu partout en Europe est principalement axé sur la nourriture, bien sûr, et les projets pour le futur, c'est de nous faire manger des insectes. Ma foi, pourquoi pas? De la farine d'insectes. On pourra tout faire évidemment avec ça. Et j'étais en train de réfléchir dans mon immense connerie, parce que j'excelle, hein, c'est que cette année, ça a été une année à punaise. Vous savez, ces petits insectes-là. Il y en a, mais des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et parce que je vis en campagne, évidemment. Mais en ville, il y a aussi les punaises de lit. Plus petites, plus faciles à stocker, hein, quelque part. Et je me suis dit, mais nous sommes assis sur une mine d'or si l'avenir est de nous faire bouffer des insectes. N'est-ce pas? Donc, j'étais en train de réfléchir comment devenir riche avec toutes les punaises que j'ai ici, dans la nature. Si j'anticipe, je vais pouvoir créer une richesse. Et cette richesse va me permettre d'accéder au pouvoir aussi. Parce que quand on est riche, automatiquement on accède au pouvoir. Et si vous êtes con, vous arrivez vraiment au plus haut niveau du pouvoir. Il y a bien sûr une petite préparation à faire sur les insectes. Par exemple, les punaises, il y en a quelques-unes qui étaient tombées sur ma cuisinière et qui se sont cuites, et ça a dégagé une odeur âcre, assez forte, vraiment forte. Mais à quoi bon, quoi, c'est pas important. On mange bien du maroilles et en Belgique du fromage de Herf. Ça sent pas la rose non plus. Et pourtant les gens en mangent. Donc je me suis dit, si je pouvais commercialiser mes punaises, j'allais pouvoir gagner le pactole. Vous comprenez? Vous voyez le cheminement? Et comme la richesse va avec le pouvoir, je voulais, par cette vidéo solennelle, vous dire que je me présente pour les présidentielles françaises de 2027. Ouais. Et je vous demande à tous de voter pour moi. De voter pour un con qui a des ambitions. Et je vous promets que si vous votez pour moi, vous deviendrez vous aussi riche et puissant. Allez les petits loups.
Je vous fais la bise. Votez pour moi.